Allez. Aujourd'hui, il n'y a personne qui a laissé son micro ouvert. Je me sens vraiment seul. C'est bon. Je mets ça, je me relève, je trottine. Je descends, je me relève. Je descends, je me relève. Allez, encore. Je descends, je me relève. Très bien. Je viens ici, à gauche. À droite. Je reviens au milieu. Je pars en position de pompe. Je pousse mes pointes de pied vers l'avant, d'accord? Je pousse mes pointes de pied vers l'avant, je pousse à gauche, je pousse à droite, d'accord? Devant, à gauche, à droite. Allez, je ramène mes deux jambes, je continue à trottiner. Allez, encore, je lève mes genoux. Très bien. Allez, je pars en pas chassé sur le côté. Et maintenant, je fais la même chose, on monte mes genoux et je pivote. Allez, encore. Voilà, je reviens. Allez, je trottine. Je trottine, les talons en face. Allez, je m'accroupis, je vais devant, je reviens derrière, petit saut cette fois-ci. Encore, deux fois, je reviens derrière, petit saut. Allez, devant, je reviens derrière, petit saut. Je trottine encore. Allez, encore un petit peu. Allez, trois squats, un, deux, trois. Je trottine encore. Allez. Trois squats encore. Un, deux, et je descends un peu plus. Trois. Et je trottine encore. Allez, en même temps, je tourne les bras. Allez, je continue à trottiner. Et je tourne les bras. À l'envers. Allez, encore un peu. Voilà. Je croise mes bras comme ça, dessus, dessous. Allez, on va relâcher, très bien. On va souffler. Alors, on va faire une première phase. On va travailler un peu plus cardio, d'accord? Ensuite, deuxième phase, on va travailler sur du concentrique, excentrique. Donc, on va enchaîner les deux. Je vous expliquerai. Donc, une phase statique et une phase en mouvement assez tonique. Et après notre phase, on va essayer de travailler avec la balle, le ballon. Alors, première chose qu'on va faire, on va faire des choses relativement simples, d'accord, sur cette séance. Puis, sur le travail cardio, on va travailler sur des séquences de 20 secondes, donc des séances assez courtes, mais qu'il va falloir enchaîner à assez haute intensité. Hop, je règle la montre. Voilà. Donc, première phase, jumping jack, d'accord. Donc, ici, comme ça. Voilà, ensuite... Deuxième phase, je viens tout simplement faire mountain climbers, d'accord? J'essaye d'être bien droit, voilà, 20 secondes et je reprends jumping jack, d'accord? Quand j'ai fait ça, on va essayer de faire une phase plus statique, un petit peu comme on a fait à l'échappement, où je vais point de pied sur les côtés, donc droite et gauche, d'accord? Point de pied et on fera ça. 30 secondes, d'accord? Donc 20 secondes, jumping jack, les mountain climbers, jumping jack, ensuite 30 secondes, on va travailler plus en statique, en gainage. Allez, c'est parti, on y va et on fait ça 3 fois. Go! Allez, jumping jack, allez. On essaie d'être assez tonique et bien amorti, évidemment. Allez. Allez, encore. Très bien. On termine là. C'est parti. Allez, on serre bien les abdos. Et on reste bien en planche. Les épaules bien devant, n'oubliez pas. Allez, 5 secondes.
Très bien, jumping jack. Allez. Allez, on se met en position de pompe. Donc là, 30 secondes, on prend le temps, d'accord, de s'installer. 30 secondes où on va, donc ici, je pousse mes pointes de pied vers l'avant, d'accord, en position de pompe, je suis déjà bien vers l'avant. Je décale mon corps à droite et pareil à gauche. Et je repars. Pointe de pied, je vais le plus loin possible, à droite, à gauche. Encore. Devant. À droite, à gauche. Allez, je reste bien gainé sur mes abdos et j'utilise mes épaules, mon dos. Allez, devant, à droite, à gauche. Et vous relâchez. Alors, on relâche 30 secondes et on repart. Deuxième cycle. Alors, on fait deux autres comme ça. Soufflez bien, normalement ça, ça va. Au moins, ça va monter en puissance tout doucement. On récupère tranquillement et après, on va envoyer un peu. Allez, soufflez encore un tout petit peu, on va démarrer dans quelques secondes. Allez, c'est parti. Go! Jumping jack! Allez! Allez, c'est bien, encore, encore. Allez, on relâche. On va aller au sol et faire les montagnes cubes. Là. C'est parti. Allez. Allez, bien devant, toujours. Allez, jusqu'où vous voyez, allez, allez. Très bien. Jumping jack. Allez. Allez, c'est parti. On va se mettre en position de pompe, 30 secondes. Allez, on part bien. Pointe de pied. Sur les côtés. Allez, pointe de pied loin devant. Serrez fort les abdos. Et sur le côté gauche. Allez, pointe de pied devant. À droite. À gauche. Allez, un petit dernier, devant, à droite, à gauche. Soufflez, relâchez. N'oubliez pas, sur ces phases, on est sur les mains, surtout ceux qui ont des tensions au niveau des poignets, quand ils sont dans ces positions, de bien pousser avec les doigts de la main, en mettant de la force sur les mains, pour ne pas subir tout sur le poignet. On ne laisse pas ses mains juste posées. Et tout le poids dessus, d'accord? C'est vraiment, on met de l'intensité musculaire dessus. Allez, on souffle encore un tout petit peu. Et on démarre le dernier cycle, comme ça. Allez, quelques secondes. Allez, c'est parti, go. Allez, bien jumping jack, on essaie d'accélérer un peu, c'est la dernière. Allez. Et on fait un peu l'écart des jambes, encore. Très bien, au sol. Allez, position de pompe. Très bien, jumping jack, allez. Et on accélère fort. Allez, garantie écart de jambes encore.
fais position de pompe au sol. Go, 30 secondes. Allez, devant, à gauche. Allez, essayez d'aller gagner en amplitude. On va loin devant. Et un peu plus sur le côté. Maintenant qu'on a compris. Voilà. On écarte un peu les deux pieds si jamais c'est trop dur. Allez, encore. Et vous relâchez. Soufflez. Très bien. Alors, ce qui serait bien pour le prochain exercice, c'est d'avoir une chaise ou un tabouret, quelque chose d'un peu stable. Alors, moi je vais prendre une espèce de mini-table. Je pense que ça fera l'affaire. Mais prenez ce que vous voulez. On va travailler sur des dips. On va travailler sur aussi, on va monter en position de fente ici, comme ça, on va monter sa jambe, d'accord? Je vais vous montrer tous les exercices. Donc, on va enchaîner pas mal d'exercices maintenant. Dips, d'accord? Alors, on va rester sur des exercices assez classiques. Dips, ici, comme ça, si vous avez la possibilité, un peu plus dur, en tendant les jambes, d'accord? Ça met un peu plus de poids. Je préfère que vous les fassiez toujours en pliant les genoux, mais les faire bien. Ensuite, pompe, d'accord? Donc là, classique, ou pompe genou, si jamais on arrive pas bien, pas de souci. Ensuite, ici, donc comme je disais, on va poser un pied sur la chaise, on écarte bien, loin derrière, et on va aller faire ça. Et on revient ici. Et on repart. On essaie de bien s'aligner. D'accord? Ok? Ça, c'est le troisième exercice. Ensuite, on va essayer. On va faire fente classique, d'accord, pardon, ici, fente, d'accord, comme ceci, en descendant bien, voilà, on descend bien bas comme ça, ensuite on fait l'autre côté, et voilà, ça sera déjà pas mal pour ce petit tour, ok. Alors, dips, on commence, allez, c'est parti, donc pareil, on va rester sur des séquences de 20 secondes, assez courtes, mais on met de l'intensité, c'est parti. Go, dips, allez. N'oubliez pas de plier les genoux si jamais c'est trop dur. Ça marche bien aussi. Allez, encore. Pompe. Parti. Allez. Voilà, on se met bien en planche. Sur les abdos. Allez, encore. Très bien. Allez, chaise. C'est parti. On va faire les deux côtés, évidemment. Je n'ai pas précisé. Allez. Et on essaie d'aller voir derrière. On ne passe pas son pied juste derrière le tabouret ou la chaise. Allez, encore. L'autre côté, changez. Allez, jusqu'au bout. Allez, allez, les fentes. C'est parti. Bien bas, dos droit, tout le buste est dans l'alignement de la jambe jusqu'au genou. Essayez de ne pas cambrer ou de ne pas mettre son buste vers l'avant. L'autre côté, parti. Soufflez. Allez, pareil, on relâche 30 secondes, on recommence. On en fait 3, donc 2 encore. Allez, soufflez bien. On récupère comme il faut.
Tiens, on boit un coup si on a envie. On a besoin un petit peu. Allez, soufflez comme il faut. On va redémarrer bientôt. Allez, essayez de rester l'étouffe dans la dynamique. Les dips. Allez, pensez à avoir le dos droit. D'accord, quand vous descendez. Et de descendre au maximum. Allez, on s'y met. Deuxième session, c'est parti. Go. Pour sa chaise, c'est parti, go. Allez, loin derrière, allez. Allez, on fléchit les deux jambes, encore. Celle des derrière aussi, allez, encore. Très bien, encore. Pas de côté. Côté. Soufflez pour relâcher. Allez, dernier cycle comme ça. Soufflez bien. C'est bien. Voilà, on récupère. On prend un gros bol d'air. Et on va attaquer la troisième et dernière. C'est comme ça. Allez, soufflez bien. Encore un petit peu, quelques secondes. Allez, dernière série. C'est parti. Allez, go, les dips. Allez. Donc, soit jambes tendues, soit jambes pliées. Allez. Très bien. Allez, on redescend pas de jouer. C'est parti. Allez. Allez, bon derrière encore. On va serrer le ventre aussi. Très bien, de l'autre côté. Ça brûle un peu ça. Hein. Allez, encore. Très
Éreinte. Allez, on reste droit, allez. L'autre côté. Allez, soufflez bien, bien le coup. Allez, on va travailler, donc comme je t'ai dit, on va travailler sur une phase concentrique. On va aller donc se mettre en position statique. Autre à contrariori, juste après, on va partir sur quelque chose de dynamique et beaucoup plus dans l'explosivité. Donc, premier exercice qu'on va faire. Le plus bête et méchant, on va se mettre en chaise, comme ça. On va essayer de tenir 40 secondes. Quand on aura fait les 40 secondes, on va faire des squats sautés. Tac, tac. Et on va en faire 12, comme ça. Donc 40 secondes, 12. Et on fait 4 séries comme ça. Allez, c'est parti, en place. Allez, 40 secondes. C'est parti, hein. On s'installe confortablement. Allez, on va essayer d'être assez bas, le bassin à hauteur de genou. Voilà, on souffle bien, on récupère au niveau cardio. Allez, on a fait un peu plus de la moitié. Allez, c'est bien encore. Cinq secondes encore. Allez, on relâche. Voilà, on dégourdit un petit peu les jambes. C'est parti. Phase excentrique. Go. Allez. Squat sauté. 2, 3, 4. Et on amortit bien, évidemment. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je relâche. Allez, je souffle. Très bien. Je souffle 30 secondes et on repart. Allez. Voilà, je récupère bien. Allez. On va se préparer pour la deuxième session. C'est parti, en place. Allez. Essayez de rester bien en place, tranquillement. On respire doucement. Il se bat encore. Allez. Et on relâche. Allez, marchez un petit peu. C'est parti. Allez, squat sauté. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je relâche. Allez, très bien. On fait moitié. On va reprendre dans 30 secondes la chaise. Allez, travailler concentrique. On va essayer d'être assez explosif sur les deux dernières, malgré la fatigue. On va essayer de sauter de manière voilà, dynamique. Ok? Allez, attention. On va s'y remettre. Troisième session. Allez, c'est parti.
c'est bien, ça va encore. Allez. On relâche. Allez, c'est parti. Attention. Allez, on est explosif. Go. Allez. 10. Allez, 11. 12. Je relâche. Allez, il restera une dernière session comme ça. Soufflez bien. 30 secondes. Allez, c'est bien, essayez de sauter assez haut, dynamique. Alors, si on recolle, quatrième et dernière série comme ça. Go. Restez bien droit. Allez, encore 10 secondes. Allez, je relâche. Très bien. Et bourdis un tout petit peu mes jambes. Et c'est parti. Allez, go! Allez, on s'applique sur le dernier. 3, amorti parfait. 4, 5, et on saute très haut. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je relâche, très bien. Allez, je souffle bien. Parfait, ça va? On est en forme. Allez, je continue ce travail là. Ici. Donc, on va être beaucoup plus sur le haut du corps. Vous avez la possibilité de faire soit, donc c'est pareil, phase concentrique. Ici, je suis en flexion au niveau de la position pompe-genou ou position de pompe, je reste comme ça. Dès que j'ai fini cette phase-là, c'est-à-dire on va essayer de rester 20 secondes, je fais 15 pompes. 20 secondes, 15 pompes. Que vous soyez sur les genoux ou les pieds, ça m'est égal, principal. C'est d'arriver à faire les 20 secondes et les 15 pompes. Ok? Allez, on va se mettre en position. On va essayer de faire 3 séries comme ça. On est parti. En place. Et on va relâcher. 15 pompes. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, soufflez. On va essayer d'aller. Ça, vous allez à votre rythme. Peu importe si vous êtes un peu moins rapide ou quoi. On s'en fiche. Enfin, on s'en fiche pas. Il faut essayer d'être explosif. Là, pour le coup, on pourra essayer d'être le plus dynamique possible, mais évidemment on va s'en rire. L'idée c'est quand même d'avoir une bonne amplitude. Allez, soufflez bien. On va reprendre 20 secondes statique, concentrique et 15 pompes. Allez, c'est parti, on y va. Très bien. Allez, pompe. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Soufflez.
Allez, dernière comme ça, récupérez bien. On souffle. Après ça, on coupera la visio et on redémarre, ok? Sinon, ça va couper. Allez, soufflez encore un petit peu, on dégourdit un petit peu les bras, les pecs. Et on va démarrer. Alors, on reste bien bas sur les 20 secondes. C'est parti. Allez, on passe. Allez, go! Yeah! Allez, 15 secondes. Allez, les dernières. Allez. Exercice. Alors, j'ai pas forcément essayé avant, donc j'espère que je vais y arriver. Peut-être que vous y arriverez mieux que moi. Alors, il faudrait une balle. Déjà, dans un premier temps, vous allez avoir justement, on va faire un rebond comme ça. D'accord? Vous allez tourner la tête et je récupère. D'accord? Tout simplement. Je peux la faire rebondir un petit peu si jamais elle ne rebondit pas bien. C'est un ballon. Je vais jauger un petit peu ma puissance de rebond. Et je vais essayer de faire ça. S'il y en a qui n'ont pas de balle ou de ballon, dites-le-moi. Je vous montre des exercices en attendant. D'accord? Tant qu'à faire. Ok? N'hésitez pas à me le dire. Je préfère ça que vous nous regardez en train de jouer à la balle. Allez, c'est parti. En place, on va faire quelques-unes d'un côté. D'accord? Quelques-unes de l'autre. Allez. Donc, je lâche la balle. Et je récupère. Je tourne la tête, je récupère. Je tourne la tête, je récupère. Et je peux moins faire rebondir au fur et à mesure. Comme ça, je la lâche. Je la lâche juste pour aller un peu plus basse. Encore. Et je tourne un peu plus. Allez, je fais l'effort. Hop, voilà. Hop, allez, je regarde le doigt moi. Encore. Ah, super. Ah. Allez, encore. Voilà, on tente des choses. Allez, encore. Encore. Encore un peu. Allez, deux dernières sur ce côté. Allez, dernière. Allez, c'est bien. On va faire l'autre côté. Allez. C'est parti. On y va. Voilà. Allez, pour le faire, tu donnes la gauche, c'est là. Allez, encore. C'est bien. Allez, encore. Bien. Allez, encore. Voilà, ça améliore. Encore un peu. Allez, on tourne encore plus. Allez. C'est deux dernières. Très bien soufflé. Allez, relâchez. Là, vous allez essayer d'avoir un mur en face de vous. D'accord? Si ce n'est pas le cas, on fera rebondir au sol, c'est un peu moins rigolo. Donc, vous allez essayer. Je fais rebondir d'un côté. D'accord? Tac, je récupère de l'autre, tout simplement. Tout simplement, je récupère. Ok?
pris, ça rebondit pas. Ouais. Allez, encore. Je fais tac, je récupère de là. Maintenant, je vais lancer la balle. D'accord? Je vais, dès que je lance la balle, je mets ma main à la cuisse. D'accord? Du même côté. Donc je lance main droite, je mets ma main à la cuisse. Voilà, ça recolle. Allez, c'est parti du coup. Donc, j'envoie d'une main, je réceptionne de l'autre toujours, et je touche ma main à cuisse. J'essaie d'accélérer. Ok? Tu peux faire mieux que moi. Allez, c'est parti. Tac, et je récupère. Tac, et je récupère. Et je touche la cuisse, d'accord? Tac, et je récupère d'une main. Ok? Et j'essaie d'accélérer. Si vous pouvez accélérer plus que moi, vous accélérez plus que moi. Ça ne rebondit pas très bien. Et en plus, je ne vois plus rien. Allez, encore. Et on met la cuisse. Allez, encore. Voilà, j'essaie d'avoir un mouvement assez ample. Allez, encore un peu. Allez. Voilà, main à la cuisse. Dès que j'ai lancé. Allez, encore. Allez, encore. On a perdu. Encore. Bien. Allez, relâchez. Soufflez un petit peu. Très bien. Alors, vous récupérez bien, posez la balle. Donc, à chaque fois, essayez d'avoir une petite balle parce qu'il est possible qu'on réutilise. Alors, on va faire un dernier exercice comme tout à l'heure. Vous voulez vous faire récupérer au niveau du cou concentré. Donc, ici, vous allez mettre sur le dos, sur vos talons et vous allez monter comme ça, juste le bassin, légèrement, d'accord? Ça se voit à peine. Je monte juste ici entre mes talons et les omoplates. Et je vais rester comme ça 40 secondes. Lorsque j'ai fait ça 40 secondes, je vais aller me mettre sur une jambe et je vais aller pousser comme ça. D'accord? Envers sur une jambe. Puis après, je vais faire l'autre côté. Allez, c'est parti. On y va. Go. Allez, je vais mettre des billes. Allez, go. 40 secondes en statique. Encore. Allez, 20 secondes maintenant. Alors, on reste très haut. Allez. On pousse sur son dos, les fessiers, les ischios. Très bien. Allez, moi je me mets sur la jambe droite pour commencer. Et c'est parti. Allez, 12 fois comme ça. 2, 3. Et on amortit bien. 4, 5, 6. On peut céder un peu des bras. 7 sur le côté. 8, 9, 10, 11 et 12. Allez, je relâche un petit peu. Et je vais reprendre. Une dernière série comme ça. Allez. Allez, c'est parti, on y va. Et on monte très haut le bassin, des talons jusqu'aux omoplates. Allez.
Alors, on souffle bien de manière assez dynamique, 20 secondes. Alors, on remonte bien. Très bien. Allez, jambes gauche. C'est parti, 12 fois. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et vous relâchez.